un phonographe portatif et la voix de Tino Rossi pour se mettre dans l'ambiance. Ardiusta et Muricciu s'appuient sur la culture céréalière cette année et mettent en avant le savoir-faire des anciens. Ça s'appelle au marron. Mais la nostalgie touche les plus jeunes. Avec les vieux outils du temps, on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'avec les outils de maintenant. Du blé au four à pain, il n'y a que quelques pas. Et celui-ci date de 1866. Voilà. On travaille une farine qui vient de l'Eyre et qui a quelques centaines d'années, on va dire. La cuisson, la fabrication, surtout le pétrissage est très délicat. Il faut faire tourner le pain. Le fond est chaud, le devant est froid. Donc il faut le faire tourner en permanence, sinon le fond il brûle et le devant il reste cru. À la sortie, un pain qui va tenir la semaine, dont l'odeur et le chant attirent le visiteur. Ça change de la banette. Ah ouais. Un parfum du passé embaume les ruelles du village d'Ardiusta. Une dizaine de kilomètres plus loin, Olmeto met en scène ses lieux de convivialité et d'échange. Son lavoir construit en 1889. Et son église, Santa Maria Assunta. Les habitants y exposent des trésors sortis tout droit de leurs armoires. Actuellement, tout ça, on n'y voit plus. Sur le continent, vous ne voyez plus ça. Ici, quand on vient, on découvre tout ça et ça nous fait plaisir parce qu'on voit que ça n'a pas été détérioré par le temps. Mais au-delà de l'anecdote, le village conserve les vestiges d'un passé riche de son histoire. San Piero Corso est passé par là. San Piero Corso, c'était l'ambassadeur de Catherine de Médicis qui voulait que la Corse soit française. À la fin du XVIIe siècle, il y a eu des razzias, donc c'est un village qui a souffert. Le Castel de la Rocca, la maison de Colomba, témoigne également de ces temps anciens. Mais là, c'est une autre histoire. Thank you.